L'obligation de ces 11 vaccins est sans doute la manière la plus rapide et la plus efficace de rattraper le retard de la couverture vaccinale. En attendant qu'une information de nos concitoyens, qu'une formation renforcée de nos personnels de santé amène à une prise de conscience qui permette à terme d'envisager la levée de cette obligation. Il n'y a pas de nouveaux vaccins à proprement parler. On parle pour ces 11 vaccins de l'addition de ce qu'étaient auparavant les trois vaccins dits obligatoires, c'est-à-dire diphtérie, tétanos, poliomyélite, et des 8 vaccins dits recommandés, c'est-à-dire la coqueluche, l'hépatite B, Haemophilus influenzae B, le méningocoque C, le pneumocoque et rougeole, oreillon, rubéole. Donc on parle là du calendrier vaccinal de routine de la prime enfance. Assurer une couverture vaccinale d'un niveau élevé est très important de manière à protéger individuellement les enfants contre des maladies qui, il y a encore un demi-siècle, pesaient très lourd sur la société, mais aussi profiter de cette couverture vaccinale très élevée pour éliminer la circulation des microbes responsables et de ce fait protéger ceux qui ne sont pas vaccinés, en particulier les nourrissons qui n'ont pas encore atteint l'âge de la vaccination en question et les sujets immunodéprimés. Il existe certes de rares effets indésirables des vaccins, mais qui pèsent peu en regard des effets dévastateurs des maladies infectieuses. La vaccination est une affaire collective, c'est un des piliers de notre santé publique. Nous ne voulons pas le retour des maladies infectieuses d'hier. Regardons la situation dans les pays les plus pauvres et combien ces maladies pèsent sur la santé et le développement.